que le rêve de notre monde hante notre esprit, beaucoup de jeunes préfèrent quitter leur pays respectif pour aller en quête de notre paradis qu'ils trouveraient sur Terre. Eh bien, à tout prix, ils essayent d'atteindre leur rêve et de vivre une autre réalité au cours de la traversée de la mer Rouge où beaucoup laissent leur peau, beaucoup de vie sont englouties justement au cours de cette traversée. Bien sûr, pour aujourd'hui, dans votre numéro Mémoire du Peuple, on en parle avec une tête qui réfléchit par rapport au développement de son pays. Il s'agit de M. Dinar Maouété, un jeune analyste qui a fait l'amitié de répondre à notre invitation. Les péripéties de l'immigration, on en parle au cours de ce numéro de Mémoire du Peuple. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, M. Gédéon. Un réel plaisir de vous avoir. Plaisir partagé. On parle de péripéties de l'immigration. Justement, vous êtes dans une société qui est confrontée à moult réalités. Et vous savez justement ces rêves de plusieurs jeunes d'aller à la découverte ou à la conquête de notre monde. D'entrée de jeu, on voudrait d'abord poser les décors pour comprendre d'abord c'est quoi l'immigration. Merci M. Gédéon pour la question. Je crois que l'immigration, comme vous le connaissez mieux que moi, c'est le fait, comme vous l'avez dit tantôt, de quitter un lieu X pour un lieu Y. Mm-hmm. Et dans le cas d'espèce, comme on venait de l'aborder, et nous allons plus nous épancher sur la jeunesse africaine, qui pense de temps en autre, par rêve peut-être, de trouver le paradis ailleurs, quitter l'Afrique pour l'Europe. Et personnellement, en tant qu'analyste, je me dis, l'immigration en soi, je ne la condamne pas. Parce que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose dans la mesure où nous sommes dans un monde qui nous oblige effectivement de donner, de recevoir. Si la jeunesse africaine pense effectivement aller apprendre, aller suivre des formations, aller s'enquérir effectivement des nouvelles technologies au niveau d'autres continents, particulièrement l'Europe, je ne trouve pas effectivement d'inconvénient pour que cette jeunesse y aille s'y former. Le inconvénient, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun inconvénient à sortir de son pays pour aller justement ailleurs, pour répondre justement à un besoin bien déterminé. Mais comment cette immigration se passe? C'est ça, c'est là où c'est là que réside le plus grand problème, j'imagine. Oui, la manière par laquelle effectivement la plupart des jeunes essayent d'atteindre le vieux continent, l'Europe, c'est ce qui n'est pas effectivement encouragé, parce que là, je pense spécifiquement à l'immigration clandestine. Parce que l'immigration légale, effectivement, c'est une migration que nous encourageons dans le but, effectivement, d'aller acquérir certaines connaissances pour, effectivement, revenir et développer le continent africain. Mais l'immigration clandestine, c'est ce que nous déconseillons effectivement à la jeunesse africaine de ne pas emboîter cette voie. Parce que vous êtes sans ignorer, nous venions de suivre il n'y a pas longtemps cette enquête qu'a divulguée effectivement le New York Times, où nous avons vu effectivement absolument les gardes côtes grecques qui ont eu à refouler effectivement des migrants par des conditions qui sont inacceptables. Et parlons de cette information, parce que c'est une vidéo qui dérange effectivement les bonnes consciences. Nous sommes dit, en tant que jeunes Africains, nous en appelions effectivement à l'Union africaine pour que l'Union africaine puisse s'élever et interpeller les autorités européennes de par ces pratiques qui ne sont pas humanitaires. Et cette immigration clandestine, comme nous sommes en train de le dire, nous la déconseillons aux jeunes. Néanmoins, nous encourageons, c'est que l'immigration légale,
Parce que l'Europe, effectivement, je le sais bien, continue avec son ancienne politique qui date effectivement de l'époque coloniale où il cherche à coûte que coûte à extirper de l'Afrique la matière grise justement ses cerveaux pour son intérêt. Et il a mis en place cette politique d'une immigration choisie qui est d'une immigration subie. Donc de par là, je pense que nous devons plus interpeller la jeunesse africaine dans la mesure où elle doit y aller pour suivre effectivement des formations et entrer en contact avec des nouvelles technologies et retourner en Afrique pour participer au développement du continent africain. Vous avez tantôt parlé du rendez-vous du donner et du recevoir, qui est un principe auquel tous les États sont appelés à s'adonner ou à s'appliquer. Justement, dans l'un comme dans l'autre cas, ne voyez-vous pas que le continent africain est en train de subir par rapport à cette immigration, qu'elle soit clandestine ou une immigration légale? Vous avez tout à fait raison, M. Gédéon, parce que l'Afrique est en train de subir. Vous vous rappelez effectivement de ce que nous avions déjà subi dans le passé avec la traite atlantique des esclaves. Vous voyez, le vieux continent essaye de son mieux d'utiliser la main-d'œuvre africaine pour son propre compte. Et actuellement, ce système d'exploitation a changé. Je viens de vous le dire tantôt, parce que l'Europe a mis en place cette politique de l'immigration choisie qui est de l'immigration subie. Vous voyez, l'Afrique est en train de subir et cela doit interpeller effectivement nos leaders africains, nos politiques surtout, parce que nos politiques doivent, en ce qui les concerne, veiller sur la bonne gouvernance. Veiller sur la bonne gouvernance pour éviter à ce que les cerveaux, les matières grises africaines puissent quitter ce continent et aller ailleurs. Et qu'est-ce qu'on entend par l'immigration choisie pour le nombre d'auditeurs qui interrompent que nous suivent? Mais l'immigration choisie, je partirai par des exemples si simples. Nous voyons actuellement ces sélections qui se passent via les développeries. Nous voyons effectivement comment est-ce que les pays européens posent des conditions sur les personnes qui veulent effectivement y aller et résider en Europe. Donc ils sont en train de sélectionner effectivement toutes les matières grises de l'Afrique. Ouais, ils sont à sélectionner. C'est-à-dire quand vous parlez de, par exemple, de la développerie, c'est-à-dire les gagnants sont choisis sur base d'un certain profil. Tout n'est pas fait de manière aléatoire ou hasardeuse. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous voyez, pas du tout. Vous savez, les pays les plus riches, jusqu'à présent, ils se comportent toujours en capitaliste. Ils veulent à coûte que coûte tirer profit de leur côté. Vous voyez, ils ne vont pas choisir un certain monsieur Gédéon, si monsieur Gédéon n'a pas eu même à obtenir. Par exemple, je suis personne qui va avec handicap. N'étant pas en état de donner le meilleur de moi-même, est-ce que ces genres de personnes sont mieux, ont autant de chances d'être retenues par la développerie pour voyager? Je pense que c'est un élément que vous soulevez et nous pouvons, vous et moi, nous poser la question combien de personnes avec handicap ont pu aller aux États-Unis d'Amérique via la développerie? Combien? Vous voyez, donc l'Occident ou bien les pays riches en général, continuent toujours à tirer profit de son côté. Et tout en exploitant et en laissant l'Afrique s'appauvrir de plus en plus. C'est comme cela, comme je vous le disais tantôt, cette situation doit interpeller nous les jeunes, et surtout les leaders, et nos leaders politiques. Parce que nos leaders politiques, lorsqu'effectivement ils chercheront à mettre en place des politiques allant vers la bonne gouvernance, des politiques allant vers la protection de la jeunesse, des politiques allant vers le développement intégral de la jeunesse, nous ne subirons pas ce que nous sommes en train de subir actuellement. Selon vous, M. Dunard-Mawété, cette situation est justifiée par quoi? Pourquoi
de jeunes, peut-être aussi et aussi robustes, qui peuvent être utiles à leur pays, préfèrent bien quitter leur pays d'origine et pays respectif pour un autre monde, dans l'espoir de retrouver peut-être un paradis. Quelles sont les raisons ou encore les motivations qui poussent ces derniers à faire ce choix? Monsieur Gédéon, je pense que vous êtes avec moi dans notre pays, la République démocratique du Congo. Vous savez, à ce jour, le taux de chômage en République du Congo s'élève à combien? Vous savez, la plupart des jeunes cherchent à rejoindre le vieux continent à la quête, effectivement, du travail. À la quête du travail. Et comme je le disais tantôt, si effectivement, ce n'est pas seulement pour nos pays, nous parlons de l'Afrique entière, si nos autorités africaines prenaient conscience du fait qu'elles doivent mettre en application la bonne gouvernance dans leurs pays respectifs. Elles doivent mettre en application, effectivement, les lois et surtout le respect des constitutions, parce que vous êtes sans ignorer, monsieur Gédéon, la plupart des troubles que connaissent effectivement le continent africain poussent les jeunes à quitter le continent. Vous voyez tout ce qui se passe au niveau de l'Afrique de l'Ouest. C'est que ça se passe au niveau du Soudan, même chez nous ici en République démocratique du Congo. Des situations de troubles poussent les gens à émigrer ailleurs. Et si nous prenons effectivement conscience que nous devons, nous-mêmes en tant qu'Africains, respecter surtout nos lois, parce que ces troubles sont causés par le non-respect de nos lois. L'Afrique de l'Ouest a été ébranlée par le non-respect des constitutions de ces pays. Vous voyez, il y a eu des chefs d'État qui sont restés pendant longtemps au pouvoir, qui pensent coûte que coûte à s'éterniser au pouvoir, en violation de leur constitution, et ça crée des troubles. Ces troubles ramènent, effectivement, poussent les jeunes à quitter leur pays pour rejoindre le vieux continent. Je pense que l'Europe en soi, elle aussi, elle a la grande responsabilité, parce que les autorités européennes ne peuvent pas chercher seulement à gérer les conséquences. Vous voyez, les autorités européennes doivent conseiller effectivement des gens africains de respecter leur constitution, de veiller à ce que les crises ne pilulent pas au niveau du continent africain. Oui, ce sont des conseils qu'effectivement les autorités européennes peuvent aussi donner aux autorités africaines pour éviter cette hémorragie d'immigration. Justement, est-ce que la réalité que les jeunes fuient dans leur pays, est-ce que quand ils fuient ces réalités, est-ce qu'ils sont, ils ont l'idée ou ils réfléchissent à la vie qui les attend peut-être sur le vieux continent? Malheureusement, pour la plupart, ils ne savent pas, comme on l'a dit au début, c'est un rêve pour certains jeunes d'y arriver en Europe. Par tout le moyen que possible. Néanmoins, ils ne savent pas effectivement ce qu'ils attendent là-bas. Vous savez, en Europe, lorsque vous y rendez, effectivement, vous devez travailler. L'Europe vous amène à travailler et à exploiter effectivement votre énergie pour que... Le travail, effectivement. Et là, sur ce point-là, la plupart des jeunes ne sont pas informés de cette réalité. À part le travail, d'autres réalités que l'on rencontre ou une fois sur terrain, c'est lesquelles? Il y a aussi, naturellement, les papiers encore qui est un casse-tête pour beaucoup de jeunes, c'est-à-dire pour arriver à avoir de papiers et à être domicilié, c'est compliqué. Et comment, entre-temps, ces jeunes-là essayent de vivre? Est-ce qu'ils vivent en rébellion ou en conformité avec la loi de ces pays qu'ils ont choisi comme abri ou comme deuxième patrie? Toutes ces réalités qui sont tout à fait négatives, monsieur Gédéon, je pense que la jeunesse africaine, si elle était si consciente de ces réalités, ne chercherait pas à immigrer illégalement en Europe. Donc la jeunesse n'est pas consciente. Elle est ignorante effectivement de ces réalités. Et ces réalités, si la jeunesse était informée de toutes ces réalités, comme je vais le dire, elle ne chercherait pas à aller
illégalement chercher refuge vers le vieux continent européen. Et toutes ces réalités, vous savez, moi je le dis, c'est des fois ce sont des politiques qui sont mises en place pour démotiver effectivement cette immigration. C'est fait à bon escient par certaines autorités européennes, malgré qu'entre eux et tous, ils n'ont pas une politique commune sur l'immigration. Néanmoins, certains pays mettent en place des politiques répressives pour décourager effectivement l'immigration. Et les jeunes Africains doivent véritablement savoir toutes ces choses et éviter d'y s'y rendre illégalement. Certainement, vous avez suivi le récent image, des images qui font froid dos, qui laissent sans voix et en même temps qui interrogent de jeunes Africains en quête d'un autre monde. Et voilà, ils veulent bien se débarrasser des réalités africaines pour justement faire face aux réalités de l'outre-mer. Et lors de la traversée de la Méditerranée, c'est des vies qui sont englouties, c'est des vies qui sont fauchées comme ça. Et vous, en tant qu'acteur du développement de votre socio-économique de votre pays, quelle est votre réaction? Vous savez, en suivant toutes ces images, ces vidéos si choquantes par rapport au nombre des naufrages et des décès qui s'enregistrent vers la mer Méditerranée, nous sommes, personnellement, je suis sidéré. Je suis choqué de voir cette mer qui, à l'époque, nous le savions bien, de par l'histoire, était considérée comme le berceau de la civilisation. C'était le berceau des échanges commerciaux. Néanmoins, actuellement, la dite mer méditerranéenne, elle est devenue comme un cimetière pour les Africains. C'est choquant. Et par rapport à cela, je pense nous condamnons premièrement cette manière de faire les choses de la part des autorités grecques, premièrement, et de toutes les autorités européennes. Nous avons oui dire que le haut commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies a eu même à demander des enquêtes indépendantes et efficaces pour que les responsabilités soient établies par rapport à tous ces drames qui viennent de se passer au niveau de cette mer Méditerranée. Donc c'est si choquant et c'est la raison pour laquelle effectivement moi en tant que jeune Africain, je déconseille à nos frères, aux autres jeunes Africains aussi, de ne pas tenter d'aller effectivement périr vers cette mer Méditerranée qui est devenue un cimetière pour les Africains. Un cimetière pour les Africains, justement. Et voilà, ces jeunes qui sont comptés par des milliers, qui essaient de tenter cette expérience de se trouver peut-être à la recherche d'un nouvel ou encore d'un Eldorado, et bien qu'ils estiment que c'est l'Europe, et ils rencontrent toutes ces réalités. Et que dites-vous maintenant à tous ces jeunes qui sont enflés ou encore qui sont envoûtés par l'esprit coûte que coûte d'aller s'installer en Europe? À maître temps, il y a des réalités qu'ils vivent chez eux, des réalités qui les découragent suite peut-être à la politique publique de leur pays. Alors, que dites-vous à tous ces jeunes-là? C'est persévérer, c'est de rester, de se battre dans leur propre pays que de s'exposer à de tels dangers. Premièrement, je m'adresserai plus aux autorités politiques africaines. Vous savez, les autorités politiques africaines doivent effectivement protéger la jeunesse africaine. Et cette protection de la jeunesse africaine passe par le développement intégral de la jeunesse. Et toutes ces politiques doivent être mises en place pour que la jeunesse ne soit pas tentée d'aller rejoindre le vieux continent, le continent européen.
aux jeunes particulièrement, je leur dirais, on est mieux que ce soit. Vous savez, on est mieux que ce soit. Et le paradis, comme l'a dit ainsi qu'un grand homme d'État, je sais pas, pour ne pas le citer, Monsieur Laurent Désiré Kabila, le paradis, c'est ici au Congo. C'est ici au Congo, on a tout ici. C'est ici au Congo. On ne manque de rien. On ne manque de rien, c'est ici au Congo. Vous savez, la jeunesse a de la potentialité pour effectivement booster l'Afrique, aller de l'avant. Néanmoins, ce sont plus les autorités qui ne savent pas, qui n'ont pas de vision par rapport à comment utiliser cette potentialité de la jeunesse africaine pour que l'Afrique soit un continent aussi si développé comme aussi les autres continents. Une jeunesse inconsciente, comme vous l'avez dit, pensez-vous qu'elle est à même de développer son pays? Donc aujourd'hui, si nous sommes en droit de parler en présence du marasme économique et même politique, n'est-ce pas que la faute incombe beaucoup plus à cette jeunesse congolaise qui est derrière de véreux politiciens, voilà, qui n'ont rien à proposer comme offre politique? Est-ce que pensez-vous que le malheur du Congo, c'est en grande partie à cause de sa jeunesse? Je ne répondrai pas par l'affirmative à votre réponse, M. Gédéo, parce que moi, personnellement, j'ai une autre perception des choses. La jeunesse en soi... Vous n'êtes pas nombreux. Il y a quelques têtes qui, justement, des cas isolés. Et vous n'êtes pas... Vous êtes à compter au bout de doigt d'une seule main. La jeunesse, comme je viens de le dire, la jeunesse africaine en général est plus exploitée par les politiques. Et les politiques essayent d'en tirer profit tout en négligeant effectivement les développements intégrés de cette jeunesse. Vous voyez, dire que la jeunesse reste une jeunesse si inconsciente, une jeunesse ça, si... Ce sont vos propos, vous l'avez dit. Non, je parlais plus de manque d'information. La jeunesse, elle est ignorante, vous voyez, elle est ignorante mais pas inconsciente. Elle est ignorante, effectivement, de ces réalités-là qui s'est passé en Europe. Néanmoins, cette jeunesse, elle est consciente qu'elle doit, coûte que coûte, participer au développement de ce grand continent qui est le continent africain. Pensez-vous que la jeunesse congolaise ou encore la jeunesse africaine est consciente? Et pourquoi on a l'impression que l'Afrique tangue, l'Afrique stagne? Si cette jeunesse est capable de relever les défis, et voilà, elle devrait être quand même... aujourd'hui, on devrait le voir, on devrait le vérifier à travers la vie même dans son ensemble. Bien entendu, vous savez, la jeunesse, nous venons de le dire, c'est la jeunesse africaine en soi, parce que l'Afrique compte plus de 400 millions de jeunes. C'est une forte potentialité que l'Afrique détient. Et ce qui manque effectivement à cette jeunesse de participer activement au développement de l'Afrique, c'est le manque d'investissement. Les autorités politiques devraient plus investir sur cette jeunesse africaine qui a de l'énergie, qui a du courage et qui a aussi de l'intelligence. Il est certes vrai, la formation lui manque, c'est vrai, mais la technologie aussi, les moyens aussi, mais les politiques, c'est de leur rôle de mettre à disposition de cette jeunesse la technologie qu'il faut, de mettre à la disposition de cette jeunesse africaine les moyens qu'il faut, et aussi de mettre à la disposition de cette jeunesse africaine la formation. Ce sont les tâches qui reviennent effectivement aux politiques africaines. Ce sont eux qui doivent protéger cette jeunesse africaine. Vous voyez, mais elle est abandonnée à son triste sort. C'est ça le comble. Ici en Afrique. Vous voyez, le vieux continent. Genre... Et la jeunesse est abandonnée à elle-même, mais qu'est-ce qu'elle fait elle-même pour qu'elle prenne suffisamment conscience et qu'elle grandisse en maturité, juste pour permettre le développement de son pays? C'est là aussi où intervient effectivement le rôle des leaders. C'est là où intervient aussi le rôle des leaders, parce que. Que ce soit au niveau de la société civile, que ce soit au niveau de partis politiques. Mais aujourd'hui, tout le monde est leader. Les leaders doivent conscientiser. Est-ce qu'ils le sont pour autant? Les leaders doivent conscientiser cette jeunesse, à savoir, c'est prendre charge. Vous voyez, ce sont les leaders qui doivent canaliser
les masses pour que ces masses contribuent effectivement au développement du continent africain. C'est le rôle des leaders. C'est le rôle des leaders. La jeunesse, elle est là. La jeunesse est prête à mettre la main dans la pâte pour effectivement booster l'économie africaine à aller de l'avant. Justement, vous défendez la cause de la jeunesse africaine. Et si on parle d'une jeunesse inconsciente, eh bien, vous faites bande à part. Vous êtes plutôt une jeunesse qui réfléchit, qui propose, mais aussi qui participe au développement intégral de son pays. Eh bien, c'est cette des jeunesses dont le pays a besoin, justement, pour que, n'est-ce pas, les réalités de chez nous changent et que nous puissions éviter plus de catastrophes, comme on le voit. Monsieur Dinard, on va peut-être chuter tout doucement. Ne pensez-vous pas que l'Europe, à un certain moment, nous vend du vent? Est-ce que cette tendance, justement, d'immigration telle qu'elle est, se déroule, et la jeunesse est plus encline, ou encore les jeunes sont enclins à ces rêves, justement, de braver toutes les réalités, toutes les barrières artificielles pour justement s'installer en Europe? Est-ce que ne pensez-vous pas que la jeunesse suit justement le vent que nous vend l'Europe à travers d'ailleurs le programme télévisuel où on pense que l'Europe c'est évidemment le paradis? Est-ce le cas? Je n'affirmerai pas du tout à 100% vos dires, M. Gédéon, d'autant plus que les pays les plus riches, vous savez très bien, continuent effectivement à se recroqueviller en eux-mêmes. Ils ne nous vendent pas le vent parce que, avec même les mesures des rétroactions, des mesures répressives qu'ils sont en train de prendre contre les migrants, ils ne cherchent pas ces pays les plus riches à ce que tout le monde, qui que ce soit, puisse aller chez eux. Ces pays continueront, les pays les plus riches continueront bien entendu à se recroqueviller, à mettre en pratique cette politique de protectionnisme toujours, pour éviter à ce que les autres peuples du monde puissent aller partager ces possibilités, on peut le dire, aller partager leurs richesses avec eux. Et ce n'est pas non plus, ce n'est pas leur souhait. Ce n'est pas le souhait de ces pays riches de voir les autres venir partager les miettes avec eux. Vous vous souvenez, vous êtes mieux informé que moi avec cette politique que vient de mettre en place même la Grande-Bretagne, où elle a eu à signer des accords avec nos voisins, le Rwanda, pour renvoyer tous ces migrants clandestins qui ne sont pas en règle. Et c'est la même chose avec les États-Unis d'Amérique aujourd'hui, où nous voyons ils sont en train de se battre pour construire une fois de plus des murs au sud, vers le Mexique. Donc tous ces pays riches, M. Gédéon, ne chercheraient pas, même s'ils nous font voir toutes ces belles vies qui sont les siennes, ne chercheraient pas à ce que les autres peuples africains viennent les déranger dans leur égocentrique. Et ils continueront toujours à se renfermer entre eux. Ils continueront toujours à mettre en pratique cette politique de protectionnisme pour éviter à ce qu'il y ait partage de leur richesse avec les autres pays africains. Donc ça revient à nous, Africains. Ça revient à nous, nos autorités africaines, de créer des richesses au niveau de l'Afrique. Nous devons interpeller nos autorités africaines à investir et à créer des richesses au niveau de l'Afrique. Et la jeunesse africaine ne chercherait pas du tout à envier les autres continents. Nous avons vu cela avec l'ancien président Muammar Kadhafi. Il a eu à développer la Libye. Et vous êtes informé mieux que moi. Les jeunes Libyens, ils ont, à une certaine époque, grévé même pour réclamer des parkings. Donc, ils avaient des vies, une vie, le standing qui leur mettait à l'aise et qui ne leur permettait pas, effectivement, d'envier les autres continents. Donc, nos leaders politiques doivent investir, doivent créer des richesses en Afrique pour, effectivement, éviter à ce que les jeunes puissent envier les autres continents. En deux secondes,
parlant du rendez-vous du donner et du recevoir, aujourd'hui, l'Afrique, qu'est-ce qu'elle est en train de donner au vieux continent? En 30 secondes, on termine par là, parce que le temps qui nous est imparti vient de prendre fin. La matière grise, premièrement, l'Afrique continue à donner. Et l'Afrique continue une fois de plus à enrichir les pays européens. À quelle hauteur? Avec les matières premières. Dernièrement aussi, nous avons reçu certaines informations sur les livraisons d'armes qui sont envoyées au niveau de l'Ukraine, qui sont vendues ici au niveau de l'Afrique. C'est une façon, une fois de plus, l'Afrique est en train d'enrichir effectivement ces pays. Est-ce que l'Afrique n'est pas roulée? Si l'Afrique donne suffisamment entre les deux continents, quel est ce continent qui donne suffisamment à l'autre? Je pense que l'Afrique a beaucoup donné. L'Afrique a beaucoup donné. L'Afrique est justement roulée. L'Afrique a beaucoup donné et jusqu'à présent... paupérisée. L'Afrique reste paupérisée et je pense que c'est fait à bon escient par ces pays les plus riches. Vous vous souvenez avec le sommet de Copenhague 26 où effectivement les pays africains avaient demandé les 100 milliards les 100 milliards de dollars qui devraient être compensés pour éviter à ce que nous puissions utiliser nos forêts. Mais quel est le montant qui a été versé pour le continent africain? Quel est le montant sur les 100 milliards demandés? Donc vous voyez, l'Afrique continue toujours à donner, l'Afrique continue toujours à être exploitée et la jeunesse africaine continue toujours à être exploitée aussi longtemps qu'elle essaie effectivement d'immigrer vers les autres continents. Les autorités africaines, nous les appelons effectivement à prendre conscience, à investir en Afrique, à créer des richesses en Afrique et la jeunesse africaine, qui est constituée de plus de 400 millions de jeunes, va effectivement booster le développement de ce continent africain. Tout est bien dit, M. Dinar Mawete, merci d'avoir répondu à notre invitation pour ce nouveau numéro des Mémoires du Peuple. C'est moi qui vous remercie, M. Gédéon. La famine, le chômage, l'insécurité et toutes ces réalités qui découragent les jeunes africains et qui les poussent à aller à la conquête d'un autre univers, d'un autre Eldorado, un paradis sur terre, eh bien, c'est avec beaucoup de péripéties qu'ils essaient de rencontrer. Nous les avons justement évoqués au cours de ce numéro de Mémoire du Peuple. Avec la même dose de plaisir, nous vous retrouvons dans un autre numéro, justement, pour le décider. Il est question de changer des paradigmes pour que l'Afrique essaye de se comporter, non plus en mendiant, mais en maître. Tout est dit. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs.